Bon. Attends, faut que j'aille chercher tout le reste du coup. Bonne nuit à ceux qui partent. Ok. Ok, good. Je vérifie partout qu'il n'y ait pas un tuyau quelque part. Salut. Nouvelle carte de tarot doré. Allez, ça c'est fait. Je vais checker un truc sur l'arbre de compétences. J'ai 60 avec Mario. C'est quoi, je vais prendre quand même ici. Je prends ça. Allez, let's go. Ah, il reste des levels avant le boss. Il en reste. Du coup, on va peut-être découper cette vidéo en deux épisodes. C'est bien possible. C'est bien possible. Ce qui est très cool. Ça se finit à quelle heure? Eh bien, quand ça se terminera. Putain, je suis con. Ouais. Ouais. J'ai craqué. Laisse tomber. Pays la. Ah merde, il disparaît. Ah non, j'ai eu peur. Je ne sais jamais. J'ai pas d'horaire, moi, tu sais, donc. Je n'ai pas d'horaire. Ah merci. Hop là. Nickel. Hydro-marteau. Faudrait que je regarde un peu ce qu'on a débloqué comme nouvelle arme, parce que normalement on en a débloqué. On va regarder ce qu'on peut acheter. Je crois qu'on a quasiment 10 000 pièces. Un truc comme ça. Ouais, 9 000. Attends. J'en profite. Ouais. Tiens, j'en ai loupé. Allez, vas-y. Merci, Demon. Ça me touche, c'est gentil. C'est très gentil de dire ça. Regarde, c'est le... C'est le truc archéonique.
Ok. Je garde mon équipe comme ça pour l'instant. Ouh, attends. Oui, tu peux faire le DLC sans avoir fini le jeu. Le DLC de Donkey Kong, tu peux le faire à partir de la fin du monde 1. Non, je vais garder mon équipe. Je vais garder mon équipe quand même. Allez, go. J'ai pas confiance. Ah oui, l'extension Monster Hunter, elle est payante, tu m'étonnes avec ce qu'il y a dedans. Ok. Et le rouge, il est comment? Ah oui, d'accord, le rouge est comme ça. Et bah du coup, le rouge sera très bien. Je viens de capter les trucs. Il y a combien de monde? Ah bah, je vais pas te vous le dire, ça surprise, hein. Vous verrez. Surtout que ce serait dommage de gâcher une potentielle surprise dans le jeu. Quel relou. Allez hop. Allez hop. Il y avait un truc à gauche, je crois. Attends. Pas celui-là. C'était avec le vert? Avec le bleu? Avec le bleu peut-être. Hop. Hop là, de toute façon je pourrais pas passer là. Je reviens plus tard ici. Ouais, peut-être que je remette le même. Je sais même pas pourquoi je les ai fait tourner en vrai. Je sais même pas. Je sais pas. J'ai eu un petit sursaut. C'était le jaune qu'on a utilisé? Non, c'était le bleu. Bon, on a fait faire un tour, c'est bien. C'est bien. Et c'est pas le jaune hein. Nope. En plus je fais ça totalement là, voilà, Yana. En vrai le bleu passe hein. Ah pas sûr, je crois qu'il y a une passerelle. Je crois qu'il y a une passerelle là. Ouais, c'est ça. Je sais plus lequel, ça. Ah ouais.
Le vert peut-être? Allez, c'est parti. Let's go. Allez, let's go. J'aurais dû prendre l'autre. C'est pas grave. On va se le faire. Vas-y, viens là. Allez, salut. Ok, on est good. Allez, vas-y, go. Double. Et on est good. Ah, le coup critique, il serait génial là. Un petit coup critique, vas-y. Ah, parfait, excellent. Merci. Super. Qui vont être relou. C'est juste que ça va être relou par contre. Bon bah très bien qu'ils se soient rejoints tous les deux là, ça me va. Aïe, bien joué. M'arrange pas. Ça m'arrange pas, j'aurais préféré qu'elle chope l'autre à côté. Ok, bon, les deux sont à côté. On va la laisser partir toute seule. Quoique, c'est pas une bonne idée. Bon, vas-y. J'aurais préféré le coup critique, ça m'aurait arrangé. Ouais, vas-y. Pas faire de coups critiques à chaque fois, bah non, je sais. Bonne nuit, Serena. Bonne nuit. Je sais bien, c'est triste, mais bon. Je sais bien. J'en suis triste. Non, mais arrête, ça me fait des coups critiques dans des moments où j'en ai pas besoin.
Allez, il reste les deux guignolos encore là. Ouais, c'est ce que j'aurais fait aussi. What the... Ça picote, hein. Pas de coup critique, je t'en supplie. Ouais, c'est bon. Super, ça m'arrange. Parfait. Ok, on est bon. Bon, ça c'est un peu mauvais signe. Je vais le mettre au max, là. Aucune idée, Nico. Je sais pas du tout. Alors là, je t'avoue que je sais pas du tout. J'en ai qu'un seul avec elle. Hein. Je vais la mettre ici parce qu'à mon avis, ça va être compliqué sinon. Le must serait d'utiliser Mario, sauter, Mario. Non. Ça va être chaud. Bah ouais, oui, c'est bizarre. Ok. Ok, on reste là-dessus. Sachant que Mario, il douille. Là, ça passe pas, bien sûr. Bon, c'est pas grave. Allez, go. Là, j'aurais dû faire ça. Alors là, le problème, c'est que si Mario, il se fait avoir, c'est fini. Oh, et en plus, ça passe pas non plus. Abusé. Bon, là, ça me promet, ça m'embêterait que Mario se le prenne, hein, en vrai. Ça m'arrange, voilà. Ah ouais, forcément. Ouais, bien joué. Ah si, il lui reste un petit peu à Mario. Normalement, il va réutiliser la même technique et c'est fini pour les deux, là. Enfin, c'est fini pour Mario, en tout cas. Ah ouais, joli, bon joué. Ah bien, ah cool. Ah bah ça m'arrange, très bien. Ah bon, on a réussi à sauver Mario. Écoute, tranquille. Boum. Allez, ça dégage. Salut. Très très bien. Eh bah écoutez, on a un peu de chance sur ce coup là. Donc moi ça me va. Allez, boum. Ok. Ça, c'est cool. 30. Bim. Normalement, on est bon. Ça, c'est fait. Bon, bah, très content. On s'en est bien sorti, ma foi. Allez, hop là, salut. /4, nickel. Allez hop, let's go. Ah putain, j'ai la bataille directement derrière. Bon, enfin je... Ouais, les deux qui s'enchaînent, ça picote, hein. Bon, c'est pas grave, va falloir que je les soigne dès le départ. Parce qu'il y a du monde, hein. Oh la vache. Ok, bon. Ce qu'on va faire, c'est que... On va faire ça. Ensuite, on va se mettre... On va se mettre là. Ok. Ok.
Parfait. Ouais, vas-y. Je le fais quand même. Et on est bon. Allez, bougez maintenant. Wow, merci Benji, qui a encore offert 2 subs à Keron et à Maybe. Benji, t'es un amour, merci beaucoup. Merci énormément. C'est très très gentil ça. N'hésitez pas, si vous avez reçu un sub, à remercier Benji, du coup. Merci beaucoup. Non, t'abuses, j'aurais pu l'avoir là. Ah. Il y en a encore un à bouger ou pas? Je crois pas en plus. Ah, il y a lui là-bas en plus. Ah, c'est bon, voilà, merci, c'est bon. Nickel. Voilà, ça c'est bon, critique. Merci beaucoup Benji, c'est adorable. Normalement on est bon pour lui. Ah non, c'était un Valkyrie. Ah bah écoute, c'est très bien, on l'a envoyé valser. Hop là, il va se faire pourchasser par le fantôme. Oh là là, la vache. Oh, oh la vache. Oh, très... oh la vache. Wouah. Cette violence. Ah ouais, non mais là c'était quand même vachement violent. Ouais, alors ça c'est le mauvais plan ça. Ça c'est vraiment le mauvais plan. Et il en est hors de question. Oh, incroyable ça. Parfait. Super. Ah, j'aime pas jouer comme ça, mais il y a un moment, je suis un peu obligé là. Et ça m'embête un peu. Ah, c'est pas grave. Bonjour. Bonjour. Ça va? Je dérange personne là? Tranquille? Allez, boum! Salut. Ah, par contre j'ai le bout qui est derrière. Ça c'est pas cool. Bon, c'est pas grave. Allez, vas-y, go. Eh bah oui, je sais bien. Je sais bien. Eh oui, c'est la loose. Quelle loose. Normalement elle est protégée. Ouais, 50%. C'est bon. C'est bon, elle va s'en sortir. Il y a un autre derrière par contre. Ouais. Ok, super. Ça fait rien aux dégâts. Gris, incroyable en termes de jeu. Ah ouais. C'est vraiment une expérience. Je vais me faire avoir, mais j'ai pas trop le choix en vrai. Lol, je peux traverser toute la map. Vas-y, tu sais quoi, vas-y, regarde ce move, regarde ça. Hop là, je ne fais que passer, ne vous inquiétez pas. Hein. Voilà, tiens, hop, toi c'est bon, je repars. Voilà, merci, salut. Hop là, ensuite on continue. Hop là, merci bien, et j'ai pas terminé. Et j'ai pas terminé, bien évidemment. Je vais être un peu short sur celui-là. Mais celui-là, je peux le bouffer, regarde. Allez hop, et pendant qu'on est là, on envoie ça. Regarde, hop là, et un. Et deux. Et 3-0. Boum. Est-ce qu'il est bien ce jeu? Il est incroyable ce jeu. Bien sûr.
Ok, allez. Je suis trop loin avec Mario malheureusement, donc on va devoir... On va devoir faire ça. Ok. Vas-y, il va bouger normalement, ça m'arrange. Voilà, merci. Maintenant, on passe à Mademoiselle. On balance El Canardo. Ça c'est cool, comme ça il y a les deux. Ensuite il revient. Et on va la bouger un petit peu. Il va que jusque là. Donc on la met ici. Et on la met en double vigilance. Enfin en seule vigilance d'ailleurs. Et vigilance. Avec de la chance elle nous fait un perfect. Tiens je vais le mettre... C'est quoi, on va utiliser ça pour se téléporter aussi, regarde. Tiens bien. Hop là, merci. Et let's go. Vas-y. Bah merci. Ah punaise, c'est mauvais plan ça. Ah quoique, c'est pas si mauvais plan que ça. Parce que du coup il va devoir bouger et on va pouvoir le snipe. Quoique. Attends, parce que du coup il va aller se diriger là, il va bouger, du coup on va le taper. Ensuite il va revenir derrière, il pourra attaquer personne. Donc nickel. Voilà, et là il va revenir, il pourra taper personne. Super. Voilà. Allez, à mon tour. Parfait. Parfait. Allez, my turn. On va lui sauter sur la tête, la testa. On va se mettre là. Hop là. Boum. Et on l'achève. Boum. Allez, salut. Goodbye. Paf. Ça c'est fait. Et on est en 4 sur 4, parfait. Nickel. Bon, par contre, le boss de tout à l'heure, je suis un peu dégoûté qu'on l'ait eu de façon si mauvaise. Ouais, pas ouf. C'était pas ouf ce qu'on a fait avant. Mais bon. Il restait des piécettes. Hello, hello, hello. Ok. Allez. J'aurais pas dit non à des petits... un petit champignon. Je crois qu'il y en a un là-dedans. Me semble. Bisous à ceux qui partent dormir, bisous. Oui. Ça restait là. Il me faudra l'autre truc là-bas aussi. De toute manière. Yeah.
Pam, pa, la, la. Je pense que c'était à gauche. Tiens. Tiens, tiens. Ouais, les prix de Nintendo baissent rarement hein, sur les jeux. Sur les jeux à 100% Nintendo, ça baisse pas. Hein. Les éditeurs tiers, eux, oui, par contre. Mais Nintendo ne comptait pas des baisses de prix flagrantes sur la version boîte. Hein. Clairement pas. C'est celui-là? Ah, c'est celui-là. Je me souviens pas de tout ce passage là avant le boss, tu vois. Il y a plein de trucs dont je me souviens pas. C'est amusant. Non, non, tu le fais tellement vite que. Tout trésor a ses épines. Ah bah c'est direct, tu vois. Ok. Là ça va être la merde. Parce qu'il y a deux Valkyries et il y a deux. Il y a trois gros derrière. Merde. Les trois gros protecteurs. Deux Valkyries. Oh non, ça va en fait. Ah, c'est un bon 10 bois. Ah ouais. Ah ouais. Ça va être un peu plus compliqué. Ce qu'on va faire, c'est que. Vas-y, on va commencer comme ça. Je vais tous les charger. Je vais les charger d'un coup. Et ça va être plus simple. Ah merde, j'aurais pas dû faire ça. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Je me suis planté là-dessus. Alors elle non. Et normalement on sera bon là. Et oui, ça arrive des lives le soir, absolument. C'est quoi celui-là? Valkyrie flippant. Ah mais il y en avait une derrière là-bas. Allez, on va taper la Valkyrie. Et normalement derrière. Ouais, je vais rester comme ça. Ouais, Easy Cash, Micromania, tout ça, vous trouverez des prix assez cool pour les produits Nintendo d'occasion. Ah, j'aurais bien aimé qu'il me cale un perfect. L'OST, elle est incroyable, ouais. Ah, il y a une qualité d'écriture musicale parfaite, ouais. Je suis d'accord. Et le 2 va être pareil. Peut-être même encore au-dessus en termes de OST. Oh la vache! Oh, ça picote ça. Bonsoir, bonsoir Lucas. Alors ça m'arrange pas trop ce qu'il est en train de me faire lui. Ça m'arrange pas trop trop. Comme l'âne. Hein. L'âne trop trop. Tout ça, tout ça. Ah la vache! Bon, c'est un peu la merde. Ça va être compliqué cette mission. Elle va être compliquée celle-ci. Celle-ci, elle va être un peu plus compliquée. Tiens, viens là. Attends. Tiens, viens ici. Allez, viens la soigner. Merci. Allez, balance. Voilà, merci. Le problème, c'est qu'ils prennent tous des dégâts, là. Vas-y, ça, c'est très bien. Parce que si je fais ça, je me prends deux fois plus de trucs derrière. Est-ce que j'essaye de sacrifier mon petit Mario? Avec 350 de vie, je peux potentiellement tenter. 185. Non, c'est pas une bonne idée. Non, non, c'est pas une bonne idée. Je vais pas faire ça. Non, non. Mauvaise idée.
je le garde pour le prochain tour. Oui, bien. Excellent ça. Magnifique. Oh là là, incroyable ça. Sublime. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Ok, je soigne pas tout de suite. Ça c'est au cas où. Allez, vas-y, dégomme-le. Boum. Ça c'est bon. Finalement, ça devrait peut-être aller en se protégeant comme il faut. Vas-y, go. Le problème, c'est que là, j'ai peur qu'ils me fassent des dégâts de ouf. Par chance, ils attaquent pas de trop loin. Lui, peut-être. Ah bah, regarde ça. Regarde le bouclier qui arrive en face, s'il te plaît. Enfin, ils sont tous regroupés. J'aurais adoré avoir un truc. J'aurais adoré avoir mon... ma bombe. Ah, je l'ai plus, malheureusement. Bien sûr. Toujours quand il en faut qu'on l'a plus. Et deux fois 50% qui passe, par contre, bof bof. Regarde ça, ils sont tous regroupés là. Restez groupir, comme dirait l'autre. Ah si, je l'ai. Incroyable. Si, je l'ai. Oh. Elle fait combien de cases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Attends. Magnifique, magnifique. Regarde ça, regarde. Boum. Mais quel kiff. Oh là là, je te jure. Ah ouais, hyper satisfaisant là. Tu sais quoi? Je prends un risque. Vas-y, je prends le risque. Vas-y, je prends le risque. Vas-y. Ok, on est bon. Parfait. C'était la prise de risque que je voulais. Bon, Mario va se faire bolos, mais... Vas-y, tu sais quoi, vas-y. Il va se faire défoncer la tronche. Mais au moins, l'autre était... il lui reste un point de vie, c'est abusé. C'est abusé ce qu'il lui reste. Ah merde, il y en a deux derrière. Ah, je pensais qu'il y en avait qu'un. Merde, j'aurais dû mieux regarder. Ah, ça va être là. Ok, le rebond, c'est bon. Ça le met loin. Ok, au prochain tour, je défonce le mec à gauche. Par contre, lui... Ok, cool. Parfait, c'est bon. Nickel chrome. Allez. Celui-là, tu le dégages. Attends, on va faire un truc même. On va prendre cette personne-là. Qu'on va mettre ici. Ouais. Voilà. On va prendre Mario, on fait bim, bam, boum, et bim, bim, bam, et ça c'est fait, les deux c'est terminé. Ensuite, ah zut, ensuite on s'occupe de lui. Voilà, parfait. Allez, fais-moi rêver. Coup critique. Bon, c'est pas grave. Ça me va quand même. Ça me va quand même. Ça me va quand même. Ouais, très bien.
Parfait. Ensuite. L'autre, il lui reste combien? Il lui reste 17, on le termine. Voilà. Et ensuite, on met la vigilance sur Mario et ça devrait le terminer, le dernier. Puisqu'il a, il a une double vigilance, Mario, donc normalement, on est bon. Et normalement, on est bon. C'est fini. Enfin, il va se mettre à bouger, normalement. Normalement, il se met à bouger. Voilà, et c'est fini. Allez, hop, un coup dans les fesses. Le premier rebond et le deuxième. Et c'est fini. Salut. Goodbye. Hop là. Et on est à 4 sur 4. Et bah parfait, il fallait pas un tour, de trop. Ni de plus. Hop là, ça c'est fait. Nickel. Et bah c'était un beau combat. Allez, en avant. Quel kiff ce jeu. Oh là là, qu'est-ce que j'aime. Tu joues bien, c'est gentil, merci. Gentil mais faux. Comment tu vas, Sako? Quel relou celui-là. Comment tu vas? Alors le champignon, il m'intéresse. Je vais aller chercher par là. Je regarde même pas le gameplay et je pars. Yes. Comment tu vas? Eh ben ça va plutôt pas mal, écoute. Bah j'avais des plans pour le week-end et des plans pro pour le début de semaine prochaine qui sont tombés à l'eau. Du coup bah je noie ma peine dans un stream d'un jeu que je kiffe, tu vois. Vaincre 7 ennemis, ok. On a quoi? Ah ouais, on a les 3 relous là. Ah ouais, ça va apparaître derrière. Ok. Ce qu'on va faire, parce que ça va bouger à partir du moment où je m'en occupe. On va commencer par... Ah, très bien ça. Attends. Ouais, si j'arrive derrière... Non, on va pas faire ça. On va faire ça. Premier jour des vacances. Profite bien, mec. Profite bien. Trop cool. Trop cool, ça. Ok, on va se servir de ce personnage-là. Ensuite. Donc, on utilisera ça pour après. Alors, le must, ça serait d'utiliser la double vigilance de Mario. Le problème, c'est qu'il va falloir que j'arrive à gérer par rapport au bouclier aussi. Alors, attends. Ok, je me mets là. Ensuite, je prends Mario. Je fais ça. Je fais ça. Je me mets là. Ah! Là. Ouais, allez. Vas-y. Ok. Normalement, je suis suffisamment loin pour qu'il vienne pas me toucher. Lui. Ouais, vas-y, go. Ok, super. Il va se rapprocher de son pote. Ça, c'est parfait. Comme ça, ils sont collés. Ensuite, Peach. Elle balance ça sur celui qui est derrière au fond. Comme ça, lui, il se rapproche également. Allez, viens. Viens, mon cochon. Voilà, parfait. T'es proche de tes potes. Ensuite, on la met en vigilance. On met Mario en vigilance. Et ensuite, on balance... Ah ouais, je suis un peu loin. Eh, hey, Thomas, comment tu vas? J'ai loupé plein de vidéos. T'inquiète, c'est un peu HS, mais je voulais être invité sur Mario Strikers. Déjà, trop cool ta nouvelle série. Déjà, j'en profite parce que j'ai trouvé ça trop cool. Je voulais t'écrire un message, j'ai pas eu le temps. Beaucoup trop cool, beaucoup trop cool. Mario Striker. Il est très sympa. En multi. Il est très sympa en multi. En solo, c'est même pas la peine, soyons francs. Si tu veux l'acheter pour jouer en ligne, c'est sympa. Disons que on s'en lasse très vite. On s'en lasse très vite et t'y reviendras pas souvent, sauf si tu y joues vraiment avec des potes. Je pense que, honnêtement, sauf si tu y joues avec des potes, c'est pas la peine. Voilà.
honnêtement, c'est un jeu pour à faire avec des potes. Solo, tu vas te faire chier très vite. Soyons honnêtes. Alors Mario va se faire démonter la tronche. Non, c'est bon. Ah si. Voilà, honnêtement, il est très très cool. Alors, il est très technique, mais... Ouais, je vais recommencer le level. Il est très technique, très très technique, vraiment. Je pense que c'est le plus technique des Mario, selon franc, des Mario Strikers. Mais à part pour jouer avec des potes, soit en ligne, soit machin... voilà. Honnêtement, c'est dommage parce qu'il est très bon, il est très bon le jeu. Mais en même temps, voilà, tu vois. Par contre, je vais être obligé de recommencer parce que j'avais vu que Mario s'est fait défoncer. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure équipe avec les trois là. Sachant que Mario a presque plus de vie. Ouais. Je joue que de temps en temps donc je m'amuse. Bah ouais. Bah après c'est ça, c'est que si tu fais une partie de temps en temps, ça va aller. À partir du moment où tu vas vouloir jouer plus, tu vas te faire chier très vite en fait. Mais il est super cool en vrai, nous on a joué en stream, on a joué entre potes, tu vois, il est très sympa. Mais au-delà de ça, bon, bah, c'est un peu dommage. Comment je vais réussir à gérer la situation ici? Je vais devoir la gérer comme ça. Je vais pas trop avoir le choix. Alors partir est pas une bonne idée. Ouais, et désolé au fait, l'autre jour, enfin la dernière fois pour Lille, j'aurais bien aimé qu'on puisse se croiser. Surtout que j'aurais bien aimé venir voir le spectacle, mais en vrai, avec le truc Pokémon, ça a été full et ça m'a fait chier un peu. Ça aurait été cool. Hein. Ah, mais si je le mets en. Ah, ouais, attends, je vais utiliser ça déjà. Ah, cool! Non! Non, mais mec, non, je paye ma place, tu déconnes. Incroyable! Attends, c'est quand? Où est-ce que je suis? Sur quel site je peux réserver? Tu seras. Quelle salle? Quelle salle? Hein, incroyable! Incroyable! Trop cool! Ah non, je paye ma place, mec. Déclaré. Bah ouais, avec plaisir. Carrément, ça me ferait plaisir de faire te voir. Ah, je suis embêté. Non, mec. Bah, je te paye une bière. Ou deux, ou trois. Voilà. Je sais pas ce que c'est, mais je veux bien pas payer, moi. Bah, bravo. Je te laisse pas le choix. Ok, bah, je te laisse pas le choix. Voilà. Le plaisir de faire affaire. Tu vois, on peut s'entendre. Voilà. Bah, plusieurs bières. Voilà. Une tournée. C'est très bien. Bah, une tournée pour une tournée, en vrai, tu vois. Putain, je sais pas dans quel sens le choper, le truc. Bon, allez, vas-y. Ah non, non, non. Il fallait que ça fasse le coup critique maintenant, bien sûr. Ah si, c'est cool, parfait, attends. Ah bah si, nickel. Ah bah attends, nickel. Ah bah ça m'arrange. Oh bah excellent. En fait, le fait que ça l'ait rapproché est bien. C'est très bien. Oh bah excellent. Voilà. Tiens, bah attends, je vais aller soigner Mario du coup. Nickel. Mais ouais, non, Mario Strikers... Mais je l'aime beaucoup et ça me fait de la peine pour le jeu parce que... Parce qu'en vrai, ça aurait mérité tellement... Bah déjà, en fait, je pense que l'erreur qu'ils font avec Mario Strikers, là, actuellement, c'est de prendre trop de temps pour annoncer les DLC gratuits. Notamment le 4v4, notamment les nouveaux personnages, etc. Ils auraient dû faire un Nintendo Direct avant. Parce que là, ça fait un mois que le jeu est sorti et malheureusement, il y a déjà des gens qui l'ont lâché et qui l'ont peut-être même déjà revendu. Donc, mauvais plan pour eux, vraiment. Et c'est dommage. Parce que clairement, il y avait vraiment un bon coup à jouer avec ce Mario. Je les prends des maths, donc pas revendu. Oui, bon bah c'est le meilleur plan, évidemment. Ok, je vais me mettre là-bas, on va se protéger. Ça va être le must. Ouais. Bon après, c'est cool de faire les coupes solo, mais... J'ai pas fait Mario Tennis. Tu dirais que Striker, c'est moins bien, mieux, pas comparable. En vrai, c'est le même ressenti. Alors, enfin, c'est le même ressenti oui et non, parce que Mario Tennis, le solo était plus sympa. Mario Tennis, il y avait un vrai solo, entre guillemets, tu vois. Là, bon...
Là, en vrai, non, non. Bah, c'est même pas que c'est pas comparable, c'est que... Mais oui, dans l'idée globale, c'est un peu le même ressenti, tu vois. Parce que Mario Tennis, ça a manqué de choses aussi. Mais c'est dommage, parce que en vrai, Mario Tennis, bon, je peux comprendre que ça manque de contenu. Le fait que ça arrive à Mario Striker, c'est dommage. Genre vraiment, 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 vraiment dommage. Tu vois. Mais il est très bon, tu vois, c'est pas le problème. C'est vraiment pas le problème d'avoir un mauvais jeu, parce que le jeu est bon. Mais c'est tellement dommage. Mais bon, bref. Ok, nickel. Bah ouais, il y a eu du gros buzz à l'annonce parce que le jeu mérite le buzz. Parce que c'est Mario Strikers, quoi. Donc oui, oui, oui. Bah vu que c'est Mario Strikers, oui. Et il mériterait d'être mieux traité que ça. Ils ont trop attendu, là. Ils ont trop attendu. Ils vont annoncer, de toute façon, dans le prochain Nintendo Direct. Et encore, s'ils en font un où il y a ça dedans... ne sommes-nous pas nos vues trop impatients? Non, c'est pas un problème d'impatience. C'est un problème que... c'est un problème de... Comment dire? C'est un problème de communication. Et Nintendo a un problème de communication depuis quelques temps. C'est bien de vouloir faire des directs dédiés, c'est très bien. Mais le problème, c'est que... Mais oui, il va encore s'étoffer. Mais le problème, est-ce que c'est pas déjà trop tard, un mois après, quand les gens s'en sont lassés, parce que justement, ça manquait de contenu. Moi, je suis très content, le jeu me plaît, c'est pas le problème. Mais je sais que, de ce que j'ai pu voir, il y en a beaucoup pour qui ça manque de choses. Voilà. Mais bien sûr qu'il va encore s'étoffer. Évidemment, et heureusement. Tu vois ? Mais moi, je pense que c'est trop tard. C'est clairement trop tard, tu trouves aussi, ouais. Oh, merde. Oups. Ah, c'est du vampirisme. Cool. Parfait, je pensais que ça allait être une autre attaque. Moi, je pense que c'est comme Mario Tennis. Il fallait surfer sur la hype du lancement, ce qui n'a pas été fait. Et du coup, ça va être compliqué derrière. Surtout qu'en plus, rappelons que sur la fin d'année, il y a Xenoblade Chronicles 3, Splatoon 3, Pokémon, Live chez Square Enix, et tous les autres jeux, les gens n'auront même plus le temps de jouer à Mario Strikers. Hein. Les gens n'auront plus le temps de jouer à Mario Strikers, point, en fait. C'est aussi simple. Vas-y. Bon. Puis c'est même pas forcément un souci de temps, c'est un souci de... Ouais, de sortie. Il y a masse de sorties là sur la fin d'année chez Nintendo. Mais niveau marketing, il y a un problème. Je sais pas pourquoi. Mais là actuellement, ouais. Ça c'est cool. Ça suffira pas. Mais ouais. Vas-y, c'est bon. Ah oui, c'est vraiment que ces ennemis là. Ok. D'accord. Perso, je suis moins hypé avec les années qu'à l'époque de la Nintendo 64 ou de la GameCube. Un rien me rendait fou, je saurais pas expliquer pourquoi je me lasse plus vite des jeux. Pour la simple et bonne raison qu'il y a plus de jeux qui sortent, sur plus de plateformes, et tout en même temps. Moi, je me hype toujours comme un gosse sur tout. Bon, ça c'est mon problème à moi, mais bon, c'est autre chose. Mais non, mais il y a énormément de propositions maintenant, que ça soit sur Steam. Tu vas sur Steam 5 minutes, il y a des centaines et 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 des milliers de jeux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est abreuvé de jeux, on est abreuvé de communication. C'est dans tous les sens. Donc je peux comprendre aussi. Je peux comprendre ta position et ton sentiment. Clairement. C'est tout le temps, sans cesse. Donc c'est pas forcément un problème de hype. Enfin si, oui si. Mais du coup c'est un problème de... Enfin un problème. C'est bien aussi parce qu'il y a plus de propositions pour plus de joueurs. Quelque part. Mais en même temps, bah le ressenti est que... Bah voilà. Bien sûr. Et je peux comprendre totalement.
ça m'embête un peu d'utiliser ça comme ça. Steam, c'est un piège de ouf. Mais oui, mais c'est un piège, mais agréable en même temps. Genre, t'as envie d'aller farfouiller sur Steam. Et en même temps, faut pas le faire. Mais ouais, c'est un coup à se ruiner. Hein. Les soldes Steam, c'est une horreur. Mais de toute façon, ils avaient fait une étude, enfin une étude, ils avaient fait des statistiques sur Steam. Ils avaient dit, c'est ce que je le répète souvent, je crois que c'est 90% des gens n'ont jamais joué à 70% de leur jeu. C'est-à-dire que t'achètes des jeux, mais en fait, tu ne les lances même plus, tellement il y en a que t'achètes dans les soldes. Et c'est fou, c'est fou. Et en même temps, c'est drôle. Mais en même temps, c'est triste. Mais la stat est folle, mais ouais, la stat est juste dingue. Et c'est vrai que moi, quand je regarde mon catalogue Steam, j'ai une liste comme ça de jeux que j'ai jamais lancé. Et pour un jour, peut-être. Voilà. Mais ça, c'est aussi le gros problème des soldes. C'est qu'il y a plein de gens qui vont acheter des jeux en solde, en mode « Ouais, mais je l'achète maintenant, j'y jouerai plus tard. » Et finalement, finalement, t'as jamais le temps. C'est aussi le problème. Ah. Comme quand on avait une cartouche craquée sur DS, on avait tous les jeux mais on jouait à rien du coup. Et bah alors, figure-toi que justement c'est le... Alors c'est le principe de l'âne de Buridan que je trouve absolument génial. L'histoire de l'âne de Buridan, c'est que Buridan avait laissé son âne qui avait soif et faim. Et du coup l'âne était attaché à une chaîne à équidistance de l'eau et de la bouffe. Et du coup l'âne s'est laissé mourir. Parce que justement, il n'arrivait pas à choisir. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que achète deux jeux en même temps, même si les deux te hype de fou, et bah finalement, tu vas moins les kiffer et tu vas moins y jouer, paradoxalement. Et je trouve ça, enfin c'est drôle, mais c'est triste en même temps, tu vois. Mais ouais. Mais ouais. Alors par contre, ça c'est un peu galère. Ah, je le fais quand même, vas-y. Ok, nickel. Ah ouais, je suis à distance. Je suis à mauvaise distance. Soin. Ah, le truc de l'âne de Buridan, j'avais trouvé ça génial. Parce que ça explique... Enfin, c'est tellement vrai. Oh, incroyable. Magnifique cet enchaînement, regarde ça. Bon, Mario qui s'en prend plein la gueule encore. Le pauvre... Pauvre Mario. T'en prends un plein la gueule tout le temps, pour pas un rond. C'est bon. Il me reste quoi? Il me reste un seul à battre en plus là. Ouais. Ah merde, oh merde. Bon bah adieu Mario. Désolé. Bon, on n'aura pas le 100%. Faudra qu'on refasse la mission. Plus tard. Parce que je pense qu'il en reste un à battre, c'est ça. Bon alors par contre avec les deux là, ça va être un peu short. Thomas, est-ce que tu es vraiment toi? On te pose la question. Est-ce que c'est vraiment toi, Thomas? Bonjour, est-ce que vous êtes vous? Je vais le mettre là, ça va être un peu chaud. Tu as cette particularité d'être toi-même, ça c'est fou quand même. Bon écoute, on va se lancer quand même. Vas-y. Ah Peach, elle va se faire démonter. La pauvre. Ah quoique, attends, j'ai une idée. J'ai une idée. J'ai une idée. Ok, ça c'est good. Ensuite. Ça c'est mauvais. Oh, elle va tellement souffrir. Je sais pas lequel commencer en premier. Ouais, bah écoute, je vais commencer par ça. Allez, vas-y.
Ah c'est le bordel, hein. C'est le... Oh là 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 le bordel. Oh ce bordel. Ah j'aurais dû me fixer sur un seul mais je pouvais pas. Oh la vache. Oh là là, incroyable ça. Super. Ok, bon, on a trouvé notre winner. C'est lui qu'on va défoncer. Même si Peach se fait avoir, et ce qui va être le cas à mon avis, on peut le défoncer lui. Ça donne vraiment envie de jouer au jeu. Il est top, il est incroyable ce jeu. Oh, ça va être chaud patate. Ok, bon. Allez, c'est bon. Normalement, on est bon. Normalement, on est good. Attends. Un. Ah, c'est qu'un seul avec elle. Ok, ça c'est fait. Ensuite, je la mets... Je la mets là. Tiens, voilà. J'ai pas prévenu, mais EMB aussi, c'est un piège. Il donne envie de jouer à tous les jeux. C'est une sorte de XCOM façon Nintendo. Alors, façon Ubisoft, et oui, c'est inspiré d'XCOM, absolument. 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 Tout à fait. Normalement, c'est fini. Là. Nul à chier. On a fini la mission, mais vraiment nul à chier ce qu'on a fait. Vraiment nul. Pas mal. Non, y a pas de GG là, c'était de la merde. Mais c'est gentil, hein, mais non. Alors, plus on va pas tarder à arriver au gros papa, pas longtemps. Non, c'était pourri là ce qu'on a fait. Alors non, pas tout de suite. Il me semblait qu'il y avait un champignon, non? Peut-être pas. 1, 2. Oh, j'ai failli y aller. Ok. Non mais de toute façon je la referai ces missions là. Pour le 100% aussi. Bon, par contre on n'a pas on n'a pas beaucoup de vie. Donc ça va être un peu embêtant avec Mario. Allez.